Salut à toutes et à tous amis, c'est Matt Killer et on se retrouve sur la suite de notre aventure de Fear. Fear, vous savez, cette aventure qui fait peur. Alors on va continuer par ici. C'est bien parti je crois. Oh, une petite ruelle. Avec peut-être une petite fille dedans. Le complexe de Rammelmeyer est droit devant. On dirait que la plus forte concentration d'ennemis est dans cette zone. Merci. Merci vraiment. Ça me rassure beaucoup que tu me dises ça avant que j'y aille. Ça donne tellement envie d'y aller. Taras, toi. Je suis pas trop sûr là. J'ai pas envie d'y aller. Ah, aïe. Je suis tombé 2 mètres de haut, merde. Je me suis certainement foulé la cheville. C'est vraiment de la merde. Je sens que j'ai des ninjas qui ont passé par des planches de bois, tu vois. Et les ninjas un peu la mirosée, je pense qu'on finit le jeu. Ceux qui l'ont pas fini, désolé, mais en même temps, le jeu est sorti il y a plus de 5 ans. Largement, 7 ans est sorti. Je pense que même si moi je l'ai fini en normal, tout le monde peut le finir, tu vois. Donc, si vous y avez jamais joué, je vous conseille de le faire. Bon alors comment que je fais ça? Je vais sauter dans le vide, ça? Me péter les deux jambes, je sais pas, il y a un truc. Non, en même temps c'est pas très très haut, j'essaie de passer plus par le droit dessus. Ah, quelle intuition! Quelle mauvaise intuition finalement. C'est plus les repères à Snipes, ça. J'ai pas de sniper. Non, pas de point de passage, pas déjà, pas maintenant. Je vais claquer. Bon. Elle est bizarre cette ville, hein, putain. Il y a des ruelles en hauteur, des ruelles en bas. C'est quoi, c'est une ville de l'Est? Vous savez, les villes de l'Est. What the fuck? Je crois qu'il y a un léger accident. Attends, si tu commences à faire des missions kamikazes, ça le fait pas trop, hein. Eh oh! Tout va bien? Ils vont tomber dans d'atroces souffrances, ce train-là. Alors, réfléchis. Suis la route qui est déjà indiquée. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au fond. Ou alors tu peux y aller, mais tu ne trouveras que quelques objets tout pourris. Allez, m'a dit. Un peu de couille, nos dieux. Avance. Oh là, oh, ça pue. C'est pas grave. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. La tension à Auburn semble s'intensifier. Peu après que l'hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel abandonné, des affrontements ont été signalés dans les environs. La police a étendu son cordon de sécurité autour d'Auburn et a commencé l'évacuation des habitants de ce quartier essentiellement industriel. Est-ce qu'il y a encore des gens ici? Quand je suis arrivé, il n'y a personne. Il y a des étages et tout là, je sens que j'ai avoir des ninjas. Ninja. Ils font un bruit électrique les ninjas. Il n'empêche que ça pue ninja quand même. Bon, je soupçonne qu'il faille que je descende par ici. Oh bah, je remarque ça, putain. Sérieux, je m'appelle pas Mario, moi, c'est pas mon rayon les tuyaux, les égouts. Mario qui, je le rappelle, a été golfeur, plombier, charpentier,
me faire surprise. Il y en a un troisième par contre, ils sont trois là. Si j'ai une lumière, je vais faire repérer. Attends, j'ai aucune lumière. Super. Par où je passe? Parti. Waouh! Ouais, oh. Crétin avec une arme. Tu vois ça? Pas sûr que ça passe beaucoup pour être livré. De toute façon, t'es qu'un. T'es qu'un clone. Comme l'a dit Mew. Peu importe le temps que vous êtes, vous écrasez, vous ne serez jamais que des. Vous ne serez jamais que des copies. Alors. Oui, je vous invite à voir le premier film de Pokémon. Mew dit ça, effectivement. Dit un truc du genre, peu importe le nombre que vous êtes à vous écraser contre nous, vous ne serez jamais que des copies. C'est quand même sacrément dur. Ah bah, allez, droit, go go go, c'est pas la sécurité qui revient. Comme certains le savent, je suis assez fan de ce qui ressemble de près ou de loin à des bonus. Le problème c'est que j'arrive pas à l'atteindre celui-là. À moins que je descende par ici. Je fonce comme ça là. Et hop, petite séance des Mirror's Edge. Ya! Yeah. Merde! Je ne vois pas 150 solutions. Hein. À moins que je saute en tapant dans le vide pour essayer de sauter plus loin. Encore possible que ça marche, parce que cette technique est encore possible que ça marche. Ah mais merde! Faut que je fasse F en même temps, j'ai l'impression. Ou alors attends, c'est à quel niveau? C'est au niveau de l'étage là? Peut-être qu'en faisant le tour, je vais y arriver. C'est tout. Il y a combien de temps que j'ai en fait? Il y a 10 minutes? 6 minutes? 10 minutes? Ouah, c'est bien. On avance tranquillement. Et... Oui, je ne suis pas précisément en plus de la tête. Comme vous avez pu le voir par exemple avec Daggerfall. C'est pas trop fun. J'aime bien jouer sans. Pour un pénétrateur. Elle manque cette arme quand même, hein, mais maintenant que j'ai mon fusil qui balance des grenades dans la gueule. Et, grenade électromagnétique qui plus est, ça fait que du coup ça met à genoux les armures de. Ouais, c'est bien ça. Eh oh, oh. Je dis oui au réflexe, je dis oui à ça, mais je dis pas oui au reste. Je dis merde, dégâts. Attention, ce n'est pas Minecraft, c'est pas parce que tu te mets à coupir que tu vas pouvoir pas tomber dans le vide. Si on s'attend un petit peu de mal. Alors attends, est-ce que je peux faire ici? Enfin, le pénétrateur, là ça peut remonter plus loin j'imagine. Donc bon. Ouais, je m'en fous, je suis un taré mental. Tu vas descendre bordel. Oh putain. Jérôme Limon!
J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est direction les égouts, hein, on tirait comme ça, non? Putain, mais sérieux, j'aurais été payé pour ça. J'espère que t'es bien payé, parce qu'avec ta prime de risque, à mon avis, c'est pas mal. Mec, tu sais, il est parti et tout, il était beau gosse, fringant et tout, et là, il revient, après, il est blindé de balles. Il a des harpons sur lui et tout, mais... Ah, je vais bien, vous inquiétez pas, j'ai encore 90 JPV. Ah. Non, John, ce n'est pas un jeu vidéo. Arrête, reviens parmi nous. Ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Ça va, c'est une bonne nouvelle, et ça, c'est de la merde. C'est quoi en plus de flingue? Un AT-14. Tu m'aurais dit un Glock de filimètre. Peut-être dit oui. Tu m'aurais dit un Magnum Python 360. Je sais pas moi, l'arme de Nick Carson, ça a pas de prix quoi. 347, c'est un film exactement du même que c'est, en plus je passais par Custom là. Un peu plus. Bon alors attendez, par où on passe? Par ici? Par là? Faut-il que je monte? Faut-il que je passe à gauche? Faut-il que j'aille par là? Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est cool. J'aime avoir le choix. Bon, a priori, si je passe par là, je vais faire la gueule, tout ça. Ah, ou point de passage. Bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que du coup, là-bas, il y a un truc que j'aurais pu aller récupérer et que j'ai pas été chercher. Je sais pas si c'est gardé ou pas. On va faire F5. Miss Freeze! Yeah. Seul à avoir vu un humanoïde là. Ah merde, je viens d'ici en fait. Sauf que j'ai juste arrivé. Mais j'ai pas été par là. Ah bah si en fait. Ah ouais, quel con, je suis arrivé par là, je suis descendu, il y a pas un ami. C'est juste qu'ils aient pas pris la même route, bah finalement c'était tellement simple de trouver comme ça. On va dire bonjour alors. Je peux pas m'éviter si tu veux ça. J'ai encore deux grenades sur moi. Ah non hein. Ça suffit les conneries. Putain, plus ça va, plus y en a. Tu vois, j'ai tapé un Metal Gear juste derrière là. J'ai pas bien visé, mais c'est nul. C'est un jeu de merde. Le mec il change tout à tout. La priorité de mettre Alice et Arlenway, oui, donc ceux qui me foutent dans la merde depuis tout à l'heure, parce qu'on fait des conneries il y a 20 ans et du coup je me retrouve avec ça sur le dos moi. Bâtard. D'accord sur ce point, d'accord. On va préparer la munition, on va faire un petit F5. Mr. Freeze! Oh là là! Ya. Par ici. On a combien de temps de jeu? À 15 minutes, le temps d'effort. C'est parti.
ça ne veut absolument rien dire ce que je dis, mais je m'en fous. Putain, à chaque fois que je devais dire un truc, ça avait du sens. Je ferai plus beaucoup de vidéos. À revenir souvent, je trouve, hein. Peut-être bientôt le récupérer. Sans lancer de grenade, du coup, j'en ai récupéré une, ça c'est bien. D'autres trousses de soins, du coup, c'est plutôt cool cet endroit là. Vous vous souvenez quand j'ai commencé à jouer le dernier épisode là? J'avais que deux trousses de soins, j'en suis à 8. Alors que je trouvais nulle part des trousses de soins, c'est plus chou. Ah! Foiré. Cette arme là est très efficace contre ces saloperies de machine. Enfin, ce sont pas des machines, ce sont juste des armures plus puissantes et plus lourdes, ce qui les rend plus compliquées à tuer. Mais quand même, c'est vachement plus efficace contre. Ils appelaient ça. Attention au barrage! Bon, t'as aimé? Par où ils ont pu essayer de passer? Il y a une par ici. La prochaine fois j'envoie une grenade. D'ailleurs, pendant la prochaine fois, on est à combien de temps de jeu? Ça y est, on est arrivé à 20 minutes. 18 minutes 40. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter ici, sinon après on va partir dans d'autres combats et tout, ça va durer 3 plombes. Donc les amis, on va s'arrêter ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et puis moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao.